Bonsoir. Ainsi, madame entretient une relation amoureuse avec Elimba. C'est ça? Tu sais bien que le réseau interdit ce genre de choses, mais tu le fais. Maintenant, tout est clair. Tu tenais tant à rester à Makwa, pas pour travailler pour les intérêts du réseau qui t'emploie, qui te nourrit, qui te paye. Rien que pour le plaisir de ton chéri. Tu n'es qu'une pute. Elle combattait auprès de son chéri contre les intérêts du groupe. Tu oses travailler contre les intérêts d'un organisme qui a changé ta vie? Regarde d'où tu viens! Je suis désolée. Je me suis trouvée en train de l'aimer. Tu n'es qu'une garce. Obien avait raison. Elimba et toi, vous avez tué Arbor pour l'accuser. C'est pas vrai! Vous l'avez fait! Sors d'ici. Va-t'en! Je suis désolée. Va-t'en! Sors! Oublie le réseau! Désolé, je ne voulais pas te faire peur. Je suis venu m'excuser. Tout le quartier était haine à cause de moi. J'aurais dû me taire. Je l'ai bien mérité. Ce n'était pas de ta faute. C'était à cause de ta maman. Je me suis fait soigner et j'ai tout compris. Je voudrais aussi que tu m'excuses. Tu sais, je ne voulais vraiment pas te charmer. C'était un accident et je suis désolée. Écoute, tu as été honnête en me disant la vérité. Je voudrais aussi que tu me pardonnes. Je me demande toujours pourquoi Dieu m'a donné pareil, maman. Je n'arrive plus à sortir du quartier. Tout le monde me regarde comme si j'étais une sorcière. Si j'avais où aller, je quitterais le quartier. Cesse de pleurer. Ok? Je vais en parler avec les gars du quartier. Qui a fait cette vidéo? Je ne sais pas, on nous a piégés. Donc je suppose que tes patrons sont au courant du fonds de campagne? On m'a exclu du réseau, sans aucune forme de procès. C'est vrai? Donc ça veut dire qu'on peut vivre notre amour en paix et officiellement? J'ai été exclu du réseau. Ça veut dire qu'on va me tuer. Je vais mourir, Ellie.
Je vous en prie. Très chers camarades, ça y est. Nous avons gagné. Oui, nous avons gagné. À nous la victoire. À nous la victoire. Bien. Mais c'est maintenant que le plus dur commence. Nous allons mettre en œuvre notre politique, car nous aurons le Parti Socialiste et Candem sur le dos. Mais vous savez, au PUD, nous avons la matière grise pour riposter et résister. Dès demain, nous allons commencer nos réunions stratégiques pour la formation du gouvernement. Félicitations, Fatima. Tu as été brillante. Je te promets de te servir sans faille ni jalousie. Si cela est sincère, alors tant mieux. Si nous ne sommes pas capables de traverser les manipulations des hommes pour travailler ensemble, alors nous ne sommes pas dignes d'être des femmes de pouvoir. Bien. Mes chères dames, Diop, mon ami personnel et de longue date, et moi, voulions encore vous remercier particulièrement. C'est grâce à vous deux que le PUD a pu renverser le Parti Socialiste. Non. C'est grâce à toi, Jackson. Grâce à ton ouverture d'esprit et ton sens de la démocratie. Voir le président d'un parti se mettre en troisième position sur une liste électorale, c'est inédit. Mais je me sens flatté. Ah, Madame Mekoto, la femme visionnaire qui a su rejoindre le bon bateau à temps. Je voudrais juste vous rassurer de ma loyauté et de ma disponibilité. Bien, nous tâcherons de prendre cela en compte demain à la réunion de formation du gouvernement. Tu es très discrète et très travailleuse, et ça, c'est très bon signe. Diop, tu penseras à me rappeler le cas Madame Ekoto. D'accord, président, c'est noté. À présent, faites sortir le vin. On va fêter. Tout de suite, président. Elimba, Son Excellence Elimba, gouverneur de la région autonome de Makwa. Je n'avais jamais rêvé être gouverneur. Maintenant, ne plus l'être me paraît comme un fardeau. J'étais un jeune garçon sans réelle ambition. Je vivais au gré de mes désirs. Je voulais juste faire battre le cœur des femmes. Une ne me suffisait pas au point où je suis allé signer un pacte avec l'esprit de l'eau. Beaucoup de femmes m'ont aimé et j'ai perdu la seule vraie femme de ma vie. Celle qui m'a vraiment aimé naturellement, Fatima Massoul. Je dois me libérer de ce pacte. Je dois faire ce sacrifice. Je vais le faire. Kana a trop de problèmes avec ses frères. Ils n'auront pas vraiment mal. Non, cela fera souffrir sa fille. Ma fille. Je devrais sacrifier Ngobo. Elle n'a pas d'enfant. Non, elle est fille unique à sa maman. Elle ne s'en remettra jamais. Je vais sacrifier Touré, c'est une étrangère. Je ne connais pas très bien sa famille. Non, elle doit avoir des pouvoirs mystiques. Je vais sacrifier Kenfak. Son père est en prison. Mais elle est très loin de moi. Merde. Je suis dans la merde.
si Fatima a pu s'en aller, si Ken Fak a pu me quitter, ce pacte fonctionne-t-il vraiment? N'est-il pas une vue d'esprit? Je ne vais sacrifier personne. Je vais choisir une parmi toutes mes chéries et vivre avec elle. Je préfère faire l'amour une fois par trimestre comme l'esprit me l'avait demandé. Si elle me trompe à cause de l'insatisfaction sexuelle, tant pis. Je suis fatigué de gérer plusieurs femmes. Au fait, je vais choisir laquelle maintenant. Depuis la création de cette institution, elle n'a jamais fait de vagues. Nous voilà à toutes les unes. C'est une erreur. Et les erreurs sont humaines. Pas sous mon mandat. Pas en Mondovision. Jusque-là, j'avais une carrière exemplaire. Nous étions nombreux avec des gens qui ne travaillent pas ici. Sans doute. C'est quelqu'un d'ici. Fatima Mba savait qu'on a corrompu un juge. Et après, on change un document dans ma chemise. Vous voulez accuser qui d'autre? Je suis dépassé. Qui a osé faire une chose pareille? Seuls vous deux avez accès à mes documents personnels. Qui d'entre vous a pris l'argent du Parti Socialiste? Je vous ai dit que le vice-gouverneur m'a approché avec de l'argent. Mais j'ai refusé. Il peut nous dire à qui il l'a donné. Et s'il ment? S'il est capable de corrompre, il est capable de mentir. Une enquête sera ouverte. Malheur au coupable. Il va encaisser ma foudre. Je compte vraiment sur toi pour appeler au président mon cas. Je vais le lui rappeler quand il me l'a demandé, t'inquiète. Tu es son homme de confiance. Tu pourrais faire plus que rappeler. Oui, mais je ne sais pas qui tu es et ce que tu veux vraiment. Tu m'as donné une envie folle et tu m'as effrayé en même temps. C'est cet hôtel qui est compliqué. Dis-moi où tu voudrais qu'on se voie à nouveau. Ok. Demain soir, à la même heure au carrefour au Niobe. Attends-moi là-bas et on ira quelque part. Comme tu voudras. Tu verras mes compétences. J'ai hâte. Comme ça, après, j'irai directement à la réunion et j'aurai la tête bien fraîche comme un petit poisson. Alors, les camarades. Qu'est-ce que je suis heureux. Maman, tu as promis que le protocole ne sera pas strict envers nous, n'est-ce pas? Il en sera ainsi. Promis juré. Promis juré, Choquette. J'aimerais quand même avoir un garde du corps avec moi quand je sors. Ça aide souvent. Si tu le souhaites, chérie. Il ne faudrait pas qu'on me kidnappe. Hé, ne dis pas ça. Ne vous inquiétez pas, ça n'arrivera pas. Hmm? Madame le gouverneur, il y a Monsieur Limba pour vous. Il dit que c'est un rendez-vous. Faites-le entrer. Qu'est-ce que papa vient faire ici? En tout cas, j'espère qu'il vient en paix. Salut les enfants. Salut Fatima. Salut, papa. Salut, papa. Vous avez l'air en pleine forme. Je viendrai passer un peu de temps avec vous. Ici, non. Pas au palais.
Oui, bien sûr. Vous voulez bien me laisser un petit peu seul avec votre mère? Tu ne réponds pas à ma salutation. Pourquoi tu es là? Tu as insisté, alors dis-moi ce qui te tracasse. Avant tout, je suis venu te féliciter pour ta victoire. Merci. Et? Fatima, je suis venu implorer ton pardon pour tout le mal que je t'ai fait. C'est pas trop tôt. Mes infidélités, c'était involontaire. Je ne comprends pas. Écoute, bien avant notre mariage, j'ai signé un pacte avec l'esprit de l'eau pour attirer les femmes. Donc tu as choisi de me faire souffrir de tes infidélités volontairement? Je suis désolé pour... Tu es une femme bien. Tu es la seule à m'avoir vraiment aimée. Je ne te comprends pas. Comment c'est au moment où tu veux épouser une femme, c'est-à-dire la femme que tu as choisie pour ta vie, que tu décides de signer un pacte pour que les autres femmes t'aiment? Non, je t'ai dit que c'était avant notre mariage. Et tu étais obligée de m'épouser alors que tu savais que c'était ce genre de vie que tu voulais? Tu m'as fait souffrir volontairement, Elimba, pendant toutes ces années? Tu es cruel. Tu es un être sadique. Excuse-moi, s'il te plaît. Je suis en train de rompre ce satané pacte. Je n'ai pas besoin de tes excuses. Et je ne veux plus jamais te revoir. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je suis rongé par les regrets. Sors d'ici, Ellie. Je ne veux plus jamais te revoir de toute ma vie. Je dis bien jamais. Et si tu ressens le besoin de voir tes enfants, appelle. Ils te trouveront où tu es. Fatima... Sors d'ici! Je ne veux plus t'entendre. Je pleure même. Pourquoi je pleure? Je ne dois plus pleurer. Même si ça me fait mal de savoir que pendant qu'il faisait le choix de sa vie, il a fait signer un pacte pour que les autres femmes l'aiment. Heureusement que nous sommes divorcés. Que puis-je pour vous, monsieur? Vous êtes en état d'arrestation. Qui? Vous savez qui je suis? Oui, on le sait. Un corrupteur. Vous n'avez pas le droit. Sortez de chez moi! Un mandat d'amener signé par le procureur. Monsieur le vice-gouverneur, soit vous nous suivez, soit vous embarquez de force. Vous ne m'emmenez nulle part! Mets-lui les menottes.
connais pas. Je savais. Je savais qu'une fois élu, tu allais essayer de me sortir de cette maison. Pourquoi tu as noué un cœur comme ça, Fatima? Cette maison, tu n'en as même pas besoin. Tu veux seulement me faire du mal. Tu sais quoi? Tu vas seulement me tuer avant de récupérer cette maison. Si c'est une convocation, je ne pars pas. Attestation de donation de biens. Lorsque Edith a donné cette maison, nous étions encore légalement mariés. Et selon la loi, il fallait mon accord. Donc, pour que tu sois légalement propriétaire de cette maison, il faut ma signature sur ce document. Je l'ai signé. Et je l'ai antidaté pour que tout concorde avec l'acte de donation de Elimba. Donc tu es désormais la véritable propriétaire de cette maison, Maïmouna. Merci, Allah. Qu'Allah te bénisse, Fatima. Merci, ne me touche pas. Et arrête ton hypocrisie. Désolée, je t'ai fait peur. Tu veux quoi? Tenir ma promesse. Oh, t'es pas sérieuse. Si, très sérieuse. Je te l'ai dit, Ellie, que tu perdes les élections ou pas, je vais toujours t'aimer. Écoute, Espérance, je pense que tu devrais me laisser te trouver un homme qui te mérite. J'ai essayé de t'oublier plusieurs fois, mais je n'y parviens pas. En fait, je ne sais pas ce que tu m'as fait. Tu ne devrais pas. Je ne suis pas quelqu'un de bien. J'ai abandonné une femme enceinte. J'ai trompé ma femme. J'ai couché avec une femme plus âgée que moi. J'ai même trompé ma femme avec ses proches. Mais je suis au courant de tout ça, Ellie. Pourquoi tu es là? Mais parce que malgré tout ça, je continue de t'aimer. Je suis follement amoureuse de toi, Ellie. Cesse de lamenter mon cœur. Je ne te demande pas d'être parfait. Je te demande juste d'être sincère avec moi. Tu penses que tu peux faire ça? Faire quoi? Être sincère avec moi. Rien que ça? Rien que ça.